Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meuble qui est derrière moi. Je vais m'en approcher un petit peu. Alors en fait, celui-là, je l'avais fait au début, au tout début, lorsque je suis rentrée dans cet appartement-là. Et à l'époque, je l'avais laissé en plastique brut. Donc dans cette émission, je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour le crafter. Et aussi le peindre et le vernir par la suite. Donc si vous souhaitez voir comment je m'y suis prise, je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors là, je vais passer le papier craft partout. Alors ce qui est intéressant de faire, c'est faire déjà les arêtes, les petites arêtes en premier. Et ensuite faire les grandes parce que le papier là, il a légèrement tendance à se décoller. Bon, une fois qu'il y aura la peinture dessus, c'est bon, il restera bien plat. Mais bon, quand il y a, enfin voilà, plus il y a de petits bouts qui dépassent, plus ça risque de repiquer. Donc c'est pour ça que là, je vais faire déjà les petites arêtes. Enfin là, non, je vais commencer déjà par le bas. Alors en fait, je tire dessus pour voilà, le viser, mais après, au fur et à mesure, je le plaque, mais sans tirer en fait. Je sais pas si c'est facile à comprendre ce que je dis. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous le tirez trop, bon, automatiquement, il va se décoller quoi en fait. Alors que là, si on suit la ligne, bah, ça va tout seul. Et là, par exemple, je vais venir. Là, par exemple, il y a un petit dénivelé entre le carton du bas et celui-là. Bon, je ne vais pas rectifier au cutter. Mais par contre, je vais venir et je vais passer l'ongle en dessous. Ce qui va lui permettre de bien plaquer. Et là, donc là, je vais faire tout le tour d'un bloc avec ce papier-là. Ce qu'il y a de bien avec celui-là, c'est qu'il est facile à travailler parce que bah, il reste collant, quoi, contrairement au papier craft gommé. Je veux dire, là, je peux faire tout le tour sans galérer parce qu'il va pas sécher, quoi. Alors c'est parti. Même rectifier un tout petit peu, hein. C'est ça qui est bien, parce que si c'est
si on veut agrandir un peu, on peut toujours. Alors, ce que je préconise aussi, c'est que le côté qui va se voir le plus, on privilégie toujours, moi j'ai commencé par le côté là qui est visible, parce que du coup, voilà, si ça fait des plis sur l'arrière, bah, c'est pas grave quoi. Ce qui est important, c'est que le devant soit beau. Que j'ai un arrondi, je fais les petites ailettes avec le ciseau. Alors là j'ai fait déjà donc toutes les arêtes qui sont droites, hein, celle-là, celle-là, celle-là. Donc maintenant je vais continuer, je vais faire les abords ici. Alors ici en fait j'ai des plis à l'intérieur, ce qui est normal parce que bah, quand on plie le carton vers l'intérieur, ça fait des renflements quoi. Et en plus j'ai ici, bon, le truc il n'est pas attaché, je vais pas ressortir le pistolet à colle, mais voilà, je veux dire, il y a un bord qui dépasse, donc là c'est un petit peu difficile. Alors je vais venir, hop, donc je vais venir à chaque fois du papier craft dans chaque pli, et en plus je vais devoir gérer le fait que bah, ça a tendance à remonter, donc ça fera quand même des plis au niveau du papier craft, mais c'est pas grave, mieux c'est de faire au mieux quoi. Et puis je vais suivre aussi la ligne du bord qui est un peu irrégulier là. Alors, je vais tirer jusqu'au bout. Bon, ça déborde un peu. Voilà. Donc partout où j'ai besoin de faire de mettre un petit coup de ciseau, j'en mets un. Alors là pour la peinture, tiens, je mets mes gants. Commencez déjà par dégager les coins de l'intérieur. Et aussi, je vais aller dans les plis. Et ensuite je continue, je fais à chaque fois une case par une case, parce que si je mets, par exemple je dégage les angles dans toutes les cases et après je fais la peinture, le problème c'est qu'elle sèche. Et
quand elle sèche, bah, elle est un peu plus difficile à travailler. S'il y a des bords assez, assez durs, bah, j'arrive plus à les ravoir en fait. Alors là, je fais à chaque fois la case au pinceau et après je passe le rouleau. Et enfin, je termine par une couche de couleur de mauve. Alors là on est le lendemain et je vais passer, repasser un coup de peinture en fait sur l'endroit où c'est mauve là. Alors en fait il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche hein, parce que elle est très jolie cette peinture, mais si on l'étale trop fine, ça fait pas beau en fait. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Sachez que sur cette chaîne, vous trouverez trois types de vidéos différents. Les lundis, ce sont des vlogs nature. Les mercredis, des vidéos de vie quotidienne. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, c'est des vidéos de création artistique. Donc soit des meubles en carton, soit d'autres petits objets. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.